En match de qualification des championnats du monde de football à Genève, les Suisses face aux Albanais ont déjà à la troisième minute une chance que laisse passer Quentin. Les Albanais en blanc, battus par les nôtres à Tirana par 2-0, n'ont pas l'intention de perdre encore une fois, tandis que notre équipe s'interroge. À la 11e minute, Wüthrich est fauché par Alili devant les bois albanais. Le pénalty tiré par Kuhn est irrésistible. Les Suisses ont maintenant la situation bien en main. Offensive dangereuse de Daina. Kuhn tire, mais le gardien Janku retient le ballon. Les Albanais se reprennent. L'égalisation semble être proche. Il a suffi d'un souffle. La rencontre est assez terne. Notre équipe ne trouve pas la recette pour s'imposer sur des Albanais qui, somme toute, jouent assez bien. Mais ces derniers n'arrivent pas à marquer. Dans la deuxième mi-temps, le jeu est de plus en plus morne. Les bonnes attaques suisses se font de plus en plus rares. Un tir de coin jette la confusion devant les buts suisses. Grâce à leur veine, les nôtres maintiennent leur avantage. En définitive, rencontre décevante où la victoire a été au plus chanceux. Et la palme à celui qui s'est le mieux comporté, l'arbitre.